Si ça marche, c'est un miracle. Bon, bienvenue sur Hôte Éternel, best du CGT, du Conseil Galactique Temporel. Bon, nous avons vu que pour l'encre, c'était la merde. Il va falloir installer des pilotes ou des machins, bon, c'est pas grave. Nous avons vu que sur la page de test, bah, il dit qu'il n'y a pas d'encre, mais il imprime la couleur, ça. Alors, il y a une connerie, là, non? Tu vois, auto-test. Et là, alors, quant au Rubik's Cube, mon cube danse, un BC100, il semblerait que ce soit la carte, là. J'ai fait la garantie SAV moi-même. Mais j'y vois pas assez bien. D'ailleurs, juste un truc à bidouiller. J'y vois pas bien. Alors il me faut la carte BC100-BAC. C'était mon cadeau d'anniversaire et il a marché que 3 fois. Bon, j'ai dû inverser la polarité, ça c'est sûr. Pour les cartouches d'encre, j'ai regardé sur le site et tout. Non, non. Bon, on dirait que... Ouais, il doit falloir des pilotes, il doit falloir faire une manip. Mais c'est marqué que ça s'installait tout seul. C'était sur la séquence 747 du 363. Là, ça doit être la séquence 749. 750. Bon, je vais retourner voir chez Tata. Je vais peut-être faire une tarte au kiwi de drape. Il y a toujours les kiwis. Il y a une pâte. Une tarte au kiwi. J'ai récupéré le cube. Je fais SAV moi-même. Tant pis. Il faut savoir la carte combien ça coûte. Une BC100 BAC. Tiré BAC. Si on peut me la livrer au 78 boulevard Delfino, ce serait bien pratique. Ou faire cadeau. Je dois gagner ma croûte avec ça. Pas croire. Envoyé spatial pour Téléternel. C'est un boucognac que j'ai pas. Un truc qui marche plus. Il n'y a rien qui marche. Ça. Si vous avez un vieux caméscope H8 ou même VHSC, même si la batterie tient pas la charge, mais qu'il y a le matos, les cordons, oh, également, vous pouvez envoyer à Téléternel 78 boulevard Delfino 06 300 Nice. J'ai au moins 300 heures de film à transvaser. Premier caméscope en 89. C'est à vous, cognac, j'ai pas.